Oui, mademoiselle, mais... Oui, bonsoir. Oh mon Oui. Dieu, vous m'avez reconnu, c'est gentil. Ouais, c'est... j'ai enregistré le numéro de téléphone, ça y est, c'est bon. Vous êtes à notre vente là? Oui. Ah, vous venez présenter votre programme Oui, bon, je aux gens? parle... Ouais, je me promène, et puis, dès que je trouve du monde, je m'arrête un peu causer 5 minutes, quoi. Ah oui, y a pas de problème, ça va. Ils étaient justement en Faites train de un. dire du mal sur vous. Ah oui, que je vous Ouais, disais bah quoi de je... mal? Non, non, bah eux... Ah ouais, qu'est-ce qu'ils Ouais. disaient en mal sur moi? Bah j'attendais, je vais creuser un peu parce qu'ils m'entendent pas là. Je vais Ouais. creuser un peu puis je vais vous dire. Ça va, dites-moi tout. Bon, à tout J'attends à votre appel. Oui, à l'heure. tout à l'heure. Bon, bah, va falloir voter pour moi hein, si vous voulez pas qu'elle vous démonte. Ah ouais? Ah, vous faites pression sur notre patronne alors. Bah. Ça non. Comment? Une pression sur nos employés. Ah non, moi je fais pas pression, hein. Attention. Hein. Non, je plaisante, je sais pas. Ah, il a mis la dépanneuse de l'eau. Bah oui, il l'avait déjà fait avant. Ça va, vous n'avez rien? Oh non, moi ça va, de nickel. Moi, moi. Ni... Aïe! Voilà. Ah, mais, hé, c'est bon, détendez-vous là, hein. Non, mais, ça va aller? Écartez-vous, écartez-vous. Allez, il faut aller à côté des motos. Il faut aller à côté des motos. Putain, t'as ses couilles celle-là. Au revoir. Limite, non mais. Non mais oui, hein. Non mais clairement, par exemple. Comme. Comme. Comme Mademoiselle Jensen. Et comme. Alors je dis. Et comme John. Hein. En vrai, avec les meufs, je ferme ma gueule. Hein. En voiture dans le nord, on était près de comment s'appelle Grabside, près de la ferme là-haut là, et on a Limite. regardé, il y a une supérette là-haut, je sais pas si vous voyez, Oui, je vois la supérette. et on est tombé sur des braqueurs de supérette. On a voulu leur faire une petite blague d'un Ouais. accord comme un accord avec Hector, sauf Ouais. que cette petite blague a tourné au vinaigre. Vous avez pris deux. Ils n'étaient pas que deux, ouais. On pensait qu'ils étaient que deux. Hector a réussi à en coucher deux à main nue. Oui. Et là, il y en a quatre qui sont arrivés par derrière. Vous savez très bien que si je demande au shérif, ou j'ai des amis chez les shérifs, je vais leur demander si effectivement cette supérette s'est faite braquer, ils vont me dire oui ou non. Donc j'espère que vous Bah. n'êtes pas en train de me prendre pour une débile là. Attends dans la voiture. Bah après les shérifs, oui, moi j'ai pas vu les shérifs après donc ils étaient peut-être pas là. Non, Hein. non. Et puis je pense que c'est mieux que tu restes là pour ce soir, Axel. Sinon si tu sors on te fout avec Ange. Oh non. Oh non. Tu veux rester là? Oui. Ah. D'accord. Mais pas ça. Je te propose, c'est Hector qui a proposé cette solution. Hein. Moi je. Il faudrait peut-être mieux de me reposer alors. Ouais. On va faire ça. Et je vais dire au doc de te refiler un coup de d'Efferalgan, d'Afalgan ou un truc, pas de Doliprane apparemment, parce que tu veux pas, mais. Oh, d'accord. Une minute. Ok? À un moment donné. Donc, si vous me dites que c'est un règlement de compte ou que vous êtes fait agresser, vous avez fait hein, quelque chose qui a mal tourné, ok, je n'en demanderai pas plus. Mais me sortez pas l'histoire d'une supérette. Eh ben, on a fait un truc qui a mal tourné, voilà. Eh ben voilà, ok. Est-ce que tu risques encore quelque chose là maintenant? Non, non, non. Tu es certain? Oui. Parce que je vois Voilà, je que pense toi que tu c'est t'es bon. fait Ouais. tabasser. Non, non, mais là, c'est clair. Je pense que, mademoiselle May, le message qu'on a fait passer était très très clair. Hein. Bah oui, il s'est fait tabasser et il a une jambe cassée. Oui, bah Donc je pense c'est. que ça a été clair, oui. Oui, bah là, c'est. Donc il a été clair pour qui? Pour vous ou pour les autres? Je ne Oh, sais pas. pour les autres, très très clair, là, mademoiselle May. Bon, vous nous connaissez quand même, mademoiselle May. Hein. On n'est pas des Mais gens c'est qui ce qui me fait rigolent. peur. Mais c'est ce qui me fait peur. Hein. Ouais. Non, non, je pense que là, le Justement. message est. Là, ça va pas bouger, là. Ouais, il va pas y avoir un haussement de sourcils, je pense. Hein. On en reparlera dans 2-3 jours. Je dirais même que ça va swinger. Oui. Ok, mais ça va. Ok. Mais me prends pas pour une débile non plus. Hein. À un certain moment, je veux bien être bonne, hein, mais il y a des limites. Vous, à vous, monsieur, ça va baigner virgule, avec oui, une voilà. AK et un gilet, vous allez pas me faire peur que c'est vous qui avez peur de quelqu'un. C'est plutôt vous qui faites peur aux gens. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Hop, Si hop, hop. quelqu'un a envie de s'en Hop, hop, prendre à hop. vous, vous avez les moyens de... Hop, hop, de lui hop. dire d'aller rentrer chez sa mère, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas si Oui. sûr, hein. Ouais. Mademoiselle May, pas peur de moi, je crois. Hein.
Non, absolument pas. Bon, elle me répond tout le temps. Bah bien oui, sûr. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais non, mais c'est vrai. Oui, bah en même temps, c'est votre avocate. Oh, non, c'est pas pour ça. Oh, attendez. Bon, attendez, mais pff, il n'est pas méchant. Enfin. Attendez, deux secondes, continuez, hein, vous deux secondes. Bon, moi, je récapitule un peu le truc. Et j'ai vu Ange aussi, parce que, hein, t'étais bien au courant qu'elle voulait rejoindre le club l'autre jour, tu me disais non. Oui, bah j'allais pas dire oui devant tout le monde. Hein. Ouais. Bah j'entends c'est le machin sous le tapis, c'est bon, j'ai géré le truc. Bon, moi, j'ai joué Finos, hein, j'ai dit, bah moi, vous savez, Ange, moi, j'étais prêt pour faire un vote, hein, vous savez, non. J'ai pas encore me t'as vraiment faire... pas de couilles, hein. Faire une prise de... Bah après, j'ai encore m'embrouiller, et puis ça faire des histoires, encore. Ouais, mais t'as pas de couilles. Avec bah, ouais. Femmes, t'as pas de couilles. Oui, bah oui, bah j'assume, bah oui, bah, et, bah j'assume, j'ai pas de couilles. Avec les femmes, hein, je précise. J'ai pas de couilles. Je crois qu'il était à côté de moi. Ouais. Ouais, moi aussi. Okay. 400. Comment j'ai dit 428 des pile-play. Je veux employer un mot, mais je veux pas que vous énerviez. D'accord. C'est. Dites-moi toujours. C'est entre guillemets un dommage collatéral. Voilà. Mais bon. Vous savez. C'est pas méchant hein, quand je dis ça, mais voilà, il a pas été là au bon endroit au bon moment. Monsieur Savol de Liparté. Ok. Allez, bonne soirée. Oui. Alors là, je vais poser une question, mais. Mais j'y crois pas. Ouais. Tu peux avoir le nom de tous ceux avec qui vous étiez ? Bah oui, bien sûr. Alors. Il y avait. Connor Ash. Tom Clinton. Max Harmon. Et Khan. Quoi ? Khan, celui qui se présente dans le Nord là. Jack Khan. Ouais, Jack Khan, voilà. Et Quarrel aussi, vous savez. Et Clark, Damien Clark aussi. Et Grammy, je vous l'ai dit ou pas ? Bah oui, mais vous avez dit 5. Là, ça fait plus que 5. Ah oui. Ah merde. Bah oui, moi je sais compter. Ah ouais. Oui, mais il parlait du nombre d'otages plus. Oui. Oui, monsieur Savol l'a dit. Oui. Franchement, vous le faites exprès ? De quoi ? Je suis occupé avec monsieur Bishop. Avec le policier pour lui éviter des amendes et vous lui rajoutez un vol de voiture sur la gueule. Mais ils allaient mettre complicité. Ils allaient pas vous mettre complicité. Et qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles quoi, franchement. Il a pris combien? Il a pris combien d'amendes pour véhicule il volé pris, il prenait 2000 pour. Et j'ai même pas porté plainte. J'ai même pas porté plainte. Mais on en a rien à foutre. Vous avez dit au téléphone qu'il était volé. Il y avait des agents. Mais moi je me suis fait voler ma moto ce soir et qu'est-ce qu'ils ont mais fait c'est... Rien à de votre moto. Bah oui, bah ils font bien comme ils leur arrangent. Arrêtez de m'emmerder, bordel. Ils mettent des amendes comme ils veulent. Bah oui, bah il s'est pris 10 000 de votre faute. Eh ben j'en ai rien à branler. Eh ben ils ont le nom. Est-ce que quand je me fais piquer ma moto, ils mettent des amendes? Ils mettent des amendes que quand ça les arrange. J'en ai rien à foutre de votre moto, je défends votre. Eh ben moi j'en ai rien à foutre de son amende d'Austin, bordel. Vous êtes. Ben j'en ai rien à branler, merde. Voilà. Elle m'emmerde là ta copine Hector, enfin ta femme hein. Elle m'engueule parce que Austin il s'est pris une amende. T'as peut-être un peu envoyé chez le flic aussi. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il se prenne une amende? Oh j'en ai. Tiens, non mais. Est-ce que tout le monde m'entend? Oh, on fait que ça de l'entendre. Est-ce que tout le monde veut bien se rassembler s'il vous plaît, merci. Ouais, il est bien. Moi je sais pas pourquoi, mais je suis en la main. Allez voilà. Oui. C'est pas eux. Oui donc. Et je suis encore occupé là. Ça le problème. C'est je suis pas occupé. Ah putain, bah, apparemment il y en a un qui appelle chez toi et apparemment t'es pas occupé. Et qu'est-ce qui se mêle Vared? Il a une oracle grise lui? Oui. Ah aussi? Vous en avez deux? On en a plein des oracles. Ah, des oracles, OK. Y en a partout. Ah d'accord, OK. Oui, OK, d'accord. Et ben je vous rappelle quand j'ai fini. Voilà. Ouais, mais là moi j'ai pas le temps. Eh ben, j'en ai rien à foutre. Tant pis, je te rappellerai tout à l'heure et puis je verrai bien si t'es là. Putain. C'est l'autre qui me rappelle là. Ok. Donc, y a un témoin à propos. Vous avez soi-disant volé une voiture, on vous accuse, il y aurait un témoin. Putain, qui non, est ce potentiel témoin? Oui, arrête. Non, mais il se fout de ma gueule l'autre ou quoi là? Raccroche-toi à la gueule. Raccroche-toi à la gueule, j'ai du téléphone là. Il lui a dit qu'il lui a téléphoné tout de suite après avoir terminé ce qu'il a fait. Ce qu'il a à faire. Ok? Putain. Ah, Todd. Arrête. De quoi? Mais de quoi tu me parles là?
Bon, vous voulez que je m'éloigne un petit peu le temps qu'il... Oh non hein. Enfin, j'ai l'habitude, vous allez me dire. Bonsoir Akali. Eh, déjà Vared, tu vas te calmer, moi je t'accuse de rien du tout. Eh ben tu règles ça avec Joseph. Eh ben tu règles ça avec Joseph. Ben il est... Eh Vared, il gère ce qu'il a à gérer et puis ensuite on voit ça, ok? Oui, là il est occupé là. Eh ben, c'est quoi, tu lui téléphones là maintenant tout de suite? Oui, tiens, oui, voilà, allez, vite. Putain, ils vont pas me gourmer ceux-là. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'était eux. Il veut que je porte plainte. Et qu'est-ce que tu fais? Je vais en... Bon, je vais retirer des sous, moi. Oh, je vais retirer des sous, moi. Qu'est-ce qui te fait battre le cœur plus, tu vois? Ça, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Ouais, c'est vrai. Putain, j'ai l'impression de parler à Ange. Bah, parce que à chaque fois, elle me demande des conseils, machin, et à chaque fois, j'ai les bons mots. Et du coup, elle me dit, ah ouais, t'as raison, Jackson. Bah, c'est vrai, ça, qu'est-ce qui te fait vibrer, là? Qu'elle te dit? Non, toi. Non mais je sais pas, elle pourrait te dire ça, hein. Non? Non, non, non. D'accord. Parce qu'il y en a plusieurs à gagner? Ah non, il y en a qu'une seule, une fois qu'elle est gagnée, elle est plus à gagner. Ah bah. Ah bah voilà. Trop d'émotions, hein. Ouais, ouais, tombé, là, c'est là, c'est le choc, hein. Qui vient de tomber dans les pommes derrière. Il voulait... En fait, il voulait la voiture, voilà. Trop d'émotions, hein. C'est bon, je suis. Profitez, hein, faut lui bouger la place, là. Vas-y, passe devant. Sigrid, passe devant, passe devant. Passe devant, passe devant, passe devant. T'inquiète. Ange, vas-y. Oui, oui. Oui, oui, de toute façon. Hein. Fallait être plus réactif. Voilà. J'aimerais que vous arrêtiez de raconter que j'ai une aventure avec Jackson, que vous m'avez vu dans la caravane ou dans son lit, parce que je serais peut-être obligée de déposer plainte contre vous contre, pour diffamation et ça me gênerait un peu, vous voyez. Parce que vous étiez pas chez Jackson l'autre jour? Mais ce que je faisais chez Jackson ne vous regarde pas, en fait. Voilà. Oui? Vous étiez quand même chez Jackson? Oui, mais j'étais pas dans son lit. Voilà. Bah, ça, j'ai jamais dit ça. Hein. Ah, bah, c'est pas ce qui est revenu à mes oreilles. Ah, oui, mais faut toujours se méfier de ce qui revient à vos oreilles. Hein. Oui, oui, mais justement, je tenais à éclaircir ce malentendu parce que Hector m'en a parlé, il n'était pas très content, ça crée des frictions entre eux, vous voyez, c'est pas très sain pour vous. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, en plus, j'avais de la limonade pour vous, je m'étais fait un plaisir de prendre de la limonade pour vous parce qu'Hector m'avait dit que vous aimiez bien, donc voilà. Ouais, j'adore la limonade. Hein. J'aurais voulu qu'on reste sur de bonnes bases et pas sur des malentendus. Non mais, restons sur de bonnes bases. Jackson, On s'est vu, t'as foutu un peu la merde. Oh là là là, écartons-nous, regardons ça. Ah ouais, il y a des trucs à régler là. C'est-à-dire? C'est-à-dire que t'allais dire que Ange était avec moi? Oui. Ouais, qui s'en est plein la gueule après. Qui a été chez toi? C'est pas toi. Qui a été chez toi? Oui. Ouais. Je t'ai dit pourquoi elle était chez moi. Une histoire de pêche alors. Oui, voilà. Qu'est-ce que t'as dit toi? Qui a été chez toi. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'as dit? Oh bah je sais plus, tu sais, s'il faut me souvenir. De ce qu'il faut dire. Tu veux que je t'en mette une pour que tu te souviennes? Oula, attends. C'est-à-dire? T'as dit que t'étais dans la caravane parce que. Pour une histoire de pêche. Ouais, ça, c'est vous qui l'interprétez. De toute façon, j'en ai déjà pris plein la gueule, elle m'a téléphoné. Tout. C'est vos histoires, Jackson. Ça ne me regarde pas. À la rigueur, ça concerne alors, peut-être si un peu. Ne me regarde pas, ne dis pas, dis pas à tout le monde qu'elle est avec moi, que machin. Gabriel! Gabriel, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, en tout cas, on fait appel à toi. Gabriel, qu'est-ce que j'ai dit? Oui. comment dire? Attention, Gabriel, hein? La poucave est appelée à la barre. Parce que je sais ce que j'ai dit, moi. Rapproche-toi, tiens, viens ici. Ah ouais, t'as... T'es demandé à la barre. Ok, ok. Va à côté de route, ça sera mieux. Viens là, Gabriel. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit exactement? Faudrait voir avec Hector parce que avoir Ange dans la caravane, c'est étrange. Voilà. Voilà. Donc.
J'ai dit exactement ça. Bah, ça veut bien dire ce que ça sous-entend, ou... Oh, attends, ça veut dire... Bon, je pense que c'est une mauvaise compréhension de la situation, tout ce temps qu'on est ici. Bon, tu t'excuses, on passe à autre chose. Comment ça, Jackson? Excuse-moi d'avoir cru qu'il se passait des trucs avec Ange. Merci. Et excuse-moi, je trouvais ça très étrange qu'elle sorte de ta caravane. Oui, c'est sûr que c'est étrange alors que je t'ai dit 10 minutes avant le pourquoi du comment. Ouais. Bref. Pardon, Jackson. Je m'excuse. Ouais. Oh. Bah, c'est quoi de ça? Que c'est mignon. Fin de l'histoire.